Et à la limite, je suis en train de voir, mais... Oh non, c'est tout petit. Parce que là-bas... Ah, je vais y arriver. Ah, c'est l'inconvénient de jouer au tactile. Hein. En plus, j'ai l'impression que c'est un petit peu inversé, mais... Ouais, elle est pas ouf, cette mine. Elle est pas ouf, mais elle fera l'affaire. Allez, c'est adjugé vendu. C'est une mine que j'avais utilisée pour je sais plus quelle machine. Alors, on va avoir, encore une fois, tout le toin-toin, là, hop. Donc, on va mélanger ces deux couleurs-là. On va vraiment faire avec des toutes petites mines là pour le coup. On avait des grosses mines en haut. Puis là, ça devient la misère. Je monte un petit peu. Histoire que ce soit propre. Ça va être moche. Ça va être moche, mais c'est pas grave. C'est pas grave, on va faire avec. Ok, belle jaune. On dirait que ça fera l'affaire. Seize, là, et puis là, j'ai un peu moins. Atelier de peinture. Poser ça comme ça. Allez, hop. Et il reste plus qu'à amener les sphères blanches, donc les sphères non colorées là pour les colorer en jaune. Finalement, je vais passer par la gauche, ce sera plus simple. C'est comme ça. Je vous avais prévenu que cette pièce, ça serait un petit peu longue à créer. Hein. On y passe un petit peu de temps. En même temps, c'est parce qu'il y a... Bon, il y a 4... Il y a 4... Enfin, il y a au total, il y a... 1, 2, 3, 4, 5 pièces à colorer. Donc c'est normal qu'on y passe un petit peu de temps. Ok. Et donc je mets sphère jaune ici. Maintenant, il faut les acheminer jusqu'à l'aiguille, enfin jusqu'aux aiguilles qui sont là-haut, enfin qui sont là. Donc il va falloir que, ouais, que je fasse un petit bout de chemin là. Alors juste, on va remettre ça tel comme c'était au départ. Voilà.
Je vais passer par là. On va se débrouiller. Mais encore une fois, il va y avoir du trajet à faire. Hein. J'ai dit que je passerai, ouais, que je passerai comme ça. Ça, ouais, c'est ça. Ici. Et puis je vais faire un autre tunnel. Attendez que je dise pas de bêtises. C'est ça. Alors, en soi, la deuxième fabrique, je peux aussi la mettre tout de suite. Ok. Et voilà le travail. Donc déjà, il ne restera plus qu'un seul assemblage à faire. Et donc, ce sera ici. Ce sera ici. Et il faut que je fasse attention à l'ordre. Bien sûr. Ouais, on va dire comme ça. Hop, je vais coller. C'est violent, hein. C'est violent comme machine. C'est assez violent. C'est tout ça là. Toute cette machinerie là, de là jusque là-bas, c'est pour créer cette pièce. Attendez. Ouais, si, ça devrait le faire. Ça paraît pas, mais c'est la bonne pièce, ça. Elle paraît grosse, mais je crois que c'est normal. Ok. Donc,
De toute façon, hop, on est parti encore une fois. Si je dis pas de bêtises, on va partir comme ça. Non, trop tôt. Allez, on y arrive, on y arrive, on arrive au bout. Allez, si tout se passe bien. Ça me paraît bizarre cette pièce, mais non, normalement c'est ça. Allez, suspense, suspense. Hey! Eh ben, c'est ça? Donc on l'a. On l'a, on l'a. Wow! Ça aurait été quelque chose, hein. Cette pièce, ça aurait été quelque chose. Maintenant, il faut qu'on la ramène vers le centre. Donc, c'est là qu'on va avoir du chemin à faire. Hop, non, c'est pas ce que je voulais. Je veux juste voir. Ouais. Ok, c'est bon, ça passe. Et puis bah oui, normalement je continue tout droit et je devrais arriver. C'est ça. Hop. Ouh. Et B. Allez, deuxième route. Et je me suis planté sur un truc, mais c'est pas grave. Ah, attendez. Hop. On va mettre ça comme ça. Ok, il me reste plus qu'à faire les quelques raccords. Donc ici, je me suis trompé. Hop, c'est ici que ça descend.
comme ça. Et donc toute cette partie là, hop, j'ai trompé de touche. Voilà, ce petit bout de route là, on peut le supprimer. Et ben on envoie. Et la prod est pas dégueulasse en plus, visiblement. La prod est pas dégueulasse. Ah oui, c'est vrai. Hop, il y avait ça. Voilà. On va attendre que nos pièces arrivent. Et donc ça, c'est pour débloquer les portes logiques. Alors franchement, c'est un petit peu dommage qu'on fasse pas, enfin qu'on ne fera pas vraiment d'électronique dans cette série, mais avec les portes logiques, donc avec les portes et, les portes ou, les portes non ou, les portes non et, on peut faire des trucs assez sympa, enfin en IRL on peut faire des trucs assez sympas, mais dans le jeu malheureusement je trouve que c'est un peu, enfin voilà, c'est vraiment très très secondaire, c'est vraiment très facultatif en fait. En fait, faut savoir que tous ces trucs-là, les trucs logiques, tout ça, c'est venu après en fait. C'est venu. Bon, ok, donc la pièce est bien conforme, hein. Hop. Et eh ben écoutez. Ça a l'air assez constant pour le moment. Est-ce que c'est constant, constant? Ou est-ce que c'est. Je pense que ça se vide plus vite que ça se remplit. Ouais, ça se vide plus vite que ça se remplit. Donc pour le moment, ça va bien augmenter, mais ça va très vite réduire après quand on aura. Bah écoutez, ah, je trouve quand même que la prod est pas dégueulasse. Bon, bah c'est cool, bah voilà, on va avoir ça. Alors je me suis un petit peu encore plus renseigné sur ça, c'est une fourberie sans nom. Enfin j'ai vu alors je sais pas si c'est un. Enfin ouais, je crois qu'il est en Australie le mec, qui a fait une machine qui l'explique, mais ça dure une plombe son explication, et c'est surtout en anglais quoi. Et bon, j'ai pas trop de mal avec l'anglais, mais je dois avouer que je galère à comprendre. Mais c'est une machine beaucoup plus claire que le premier anglais que j'avais vu, qui compacte énormément ces machines, à un tel point qu'on n'y comprend rien. J'ai vu une machine beaucoup plus épurée, mais faut vraiment que je prenne le temps de la comprendre. Donc j'ai pas vraiment eu le temps. Depuis le dernier tournage. Ici ça se vide ou ça se. Ou c'est constant? Non, ça se vide. Ça se vide, ça se vide. Bon, c'est pas grave. Ah, je peux doubler la sortie aussi, hein, de ce truc. Bon, ici, ça se vide, c'est évident, hein, vu le. Je devrais peut-être la saturer avant de balancer. Histoire d'être sûr d'avoir tous les flux constants. Je vais la laisser un petit peu saturer. Hop. Ne serait-ce qu'ici déjà. Parfois ça aide de mine de rien de saturer. Saturer les machines.
On va attendre un petit peu. On va attendre que ça se remplisse un petit peu, vraiment, que ce soit. Voilà, que tout soit. Que tout soit bien rempli. Et après, on verra, on avisera, quoi. Mais sphère jeune, j'en consomme. Ouais, j'en. Pourtant, j'en consomme une par pièce produite, mais. Ici c'est plein. Bon, les colorants, c'est bon. Ça, je sais que ça suit les colorants, donc il n'y a pas vraiment de problématique à ce niveau-là. Zut, j'ai encore chopé ma fenêtre. Bon, le blanc, ouais, voilà. Je prends encore des aiguilles. Ah oui, parce que je produis de ça, ok. Ça, c'est pas encore saturé. Ça y est, c'est en train de se saturer. Et pareil, ouais, mes sphères jaunes, elles étaient pas saturées en haut, donc. Après, les sphères jaunes, c'est normal que ce soit le moins saturé. C'est la dernière machine que j'ai créée. Donc là, hop. On va voir un petit peu à quel point ça augmente. C'est pas ouf hein. Si ça augmente quand même, mais je vais doubler la ici je vais doubler la sortie. Ouais, voilà, on arrive au 3K. Comme ça, je la sature aussi, et puis on sera bon. C'est un petit peu comme abreuver une machine, vous savez, comme on abreuve, par exemple, une chaudière ou quelque chose comme ça. Histoire de saturer, quand on sature les machines, au moins ça. On a cet aspect-là, quoi. Ah, attendez. Hop. Moi, ce que je veux surtout, c'est saturer les sphères qu'il y a là, surtout. Ça se vide quand même vite. Et là, mais là c'est normal, j'ai doublé la sortie, donc c'est normal que ça se désature vite en fait. Puis ça a saturé mon verre là-bas, donc ok. Bon allez, on est parti, ça fera l'affaire comme ça. On renvoie la sauce. On va voir si ça suit. Excusez-moi pour le coup dans le micro. Ah, ça suit pas de ouf. Ça suit pas de ouf de ouf. Après, si je suis bien saturé quand même. Bon, bah écoutez, ben on. Ah, décidément, cette fenêtre. Hop.
Bon, la première save, quand même, on a produit 8 corps, hein, donc bon, bah ça va arriver, et puis ça va y aller comme ça. Après, les autres pièces, bon, je continue à produire, c'est quand j'arriverai à produire la l'espèce de boussole là qu'on a là. Qu'on a à produire, mais honnêtement, ça a l'air compliqué. Hein. Alors peut-être que dans les commentaires, vous me hurlez des méthodes pour pouvoir la faire, mais j'ai vu des vidéos sur internet, c'est juste que j'ai pas le temps de. J'ai très peu le temps de comprendre comment ça marchait. Mais c'est une fourberie comme pour le logo, hein. C'est faut créer une pièce un peu à équivalent au L, enfin voilà quoi. C'est encore une diablerie de ce genre. Bon, ça va, on approche des 10K, mine de rien, ça. Je produis pas autant que. Enfin, je diffuse pas autant que je voudrais, mais voilà. On va peut-être couper le temps que je produise ça. Et puis je vous reprends tout de suite après. Après voilà, hein, on a construit la machine ensemble, je reviens pas sur ça. Sur comment elle fonctionne, hein, mais en gros les étapes c'est simple, on crée ça, puis on crée ça, donc à partir des mêmes, on peut trouver la pièce de façon entre guillemets naturelle, donc suffit de la colorer et on les assemble pour faire cette pièce-là, et après suffit avec donc de créer cette petite pièce-là avec deux aiguilles, une rouge, une blanche et puis une sphère jaune. Le sens d'assemblage est quand même important et puis et ensemble voilà quoi. Je rappelle que pour les les assembleurs là, en fait la pièce qui vient à droite là va venir par-dessus la pièce qui arrive à gauche. C'est le principe. Après je décalerai bien mes lignes là pour doubler la sortie, mais bon, en soi, c'est pas grave. Hein. Allez, je laisse tourner et à tout de suite. Bien, une petite demi-heure s'est écoulée, même pas. Donc voilà. Donc nous avons les portes logiques. Voilà, donc simplement, donc ça c'est une porte et voilà. Tutoriel disponible, non. Ok, donc voilà, ça c'était donc notre machine. Voilà, on va pouvoir la réexploiter. Attendez, juste, je termine un truc que je fais sur mon téléphone. Voilà. Alors, on va donc encore une fois reprendre une de ces machines. On va reprendre en fait la machine qui fait les. Hop. Qui fait celle-là. Enfin. Ah, zut! On va couper tout ce qui va pas. Hop. Voilà, j'avais fait quelques réservoirs pour. Alors, on va nettoyer un petit peu. Donc, j'ai du verre juste à côté. Il va me falloir des carrés. Il va me falloir pas mal de carrés même. Est-ce que j'ai des carrés dans le coin? Il me faudrait un. Oh, nickel! Regardez-moi ce beau carré qui est là. De toute façon, je vais pas en avoir à plus proche, hein, je pense. Mais j'ai un carré là-bas. Oh, j'avais un cercle ici. Ah ouais, mais non, il est dans un.
d'une couleur, de toute façon, ça aurait pas été exploitable. Bah écoutez, on va exploiter le carré qui est en bas. Donc, on va couper les machines dont on n'a pas besoin. Donc, à savoir qu'en fait, Ok, donc en fait. Hop. Bah en gros. Ah ouais, c'est ça. En gros, ça représente toute cette machinerie. Ah non, j'étais un. Attendez. J'étais un poil trop. Hop. Ouais. Toute cette machinerie-là va dégager. Bing. Ok. Et donc là, il me reste. Donc mes formes là qu'on va alors on va supprimer le stockage parce qu'il me faut le il me faut une forme mais voilà non tournée. Ok, donc ça déjà dans un premier temps. Ensuite, donc on va exploiter nos carrés. Il me faut du verre à proximité. J'en ai. J'ai tout ce qu'il me faut. J'ai absolument tout ce qu'il me faut. Donc ça c'est cool. Donc il me faut un atelier de peinture. Et cette forme-là va être très très simple à créer. Cette forme-là, elle va être relativement simple. On va faire ça assez rapidement. Alors, on va faire. Ça. Donc ça c'est une chose. Ensuite, on va avoir un atelier de découpe. Alors en soi, peu importe l'ordre en vrai. Mais je pense qu'on va commencer à prendre cette forme-là en fait, d'un premier temps. Donc c'est-à-dire 1 et 3. Donc 1 et 3. La. Et donc, on va faire ça comme ça. Relativement simple. Je vais juste vérifier la forme qui sort de ça. Oui, j'ai bien fait de vérifier. C'est ça.
Eh, fichtre. Voilà. OK. Ça, c'est une chose. Et là, ça va être un petit peu la difficulté. Alors, que je dise pas de bêtises. Alors. Tant pis, hein, je vais bosser un peu dans le bleu là, ça va être un petit peu. Mince. Bon, je suis en train de faire un gros stockage là, mais c'est pas forcément utile, mais. Mais c'est juste parce qu'il va me falloir deux flux de toute façon. Deux flux, et puis en fait j'aurais dû en tourner déjà un en fait. Ça m'aurait pas. Ouais, attendez, hop. Voilà. Alors, dans un premier temps. Alors, j'ai plusieurs sens pour l'assembler en fait. Je suis en train de voir lequel est le meilleur. On va descendre les formes en bas. Comme ça, on va. Zut. Où est-ce qu'on va les remonter? Non, on va plutôt les remonter. Hein. Allez, hop. Attendez, c'est quel canal ça? Ok. Ouais, on va remonter à ce niveau-là. Allez, hop. Alors oui, ça fait un beau parcours. Hein. Alors, il me faut.
Ouais, on va procéder comme ça. Est-ce que j'ai encore une fabrique qui traîne? Ouais. Bah j'ai encore deux fabriques, donc justement, c'est ce qu'il va me falloir. Alors, maintenant, il va falloir modifier un petit peu en bas. Alors, et... Hop. Donc, va falloir modifier un petit peu en bas. Parce qu'en fait, ça va être l'inverse. J'ai inversé celui-là. Moi, je laisse se remplir. Alors. Ok, et donc là, ça va être relativement simple en fait. Cette partie-là, je la raccorde ici. Cette partie-là ici. Attendez, que je dise pas de bêtises, hein. C'est ça. Et normalement, cette partie-là. Hop. Comme ça. Cette partie-là, je vais la supprimer pour éviter tout. Tout comment? Tout. Risque de se tromper de ligne.
Attendez, donc 15, 20, 25, hop. Ok. Eh ben on est parti. Normalement, il me suffit juste de raccorder ça. Et je suis normalement bon. Ah, c'est beau quand même ce jeu. Alors. Et ça ne va pas. Ça ne va pas. Alors. Ok. Autant pour moi. Donc ça, c'est bien la bonne forme, c'est juste que je... Ici, j'ai inversé mes deux canaux. Cette partie-là doit venir comme ça. Et cette partie-là doit venir comme ça. Alors là, évidemment... Évidemment, il râle parce que c'est pas la bonne forme. Et donc... J'ai des formes qui sont pas conformes, donc résultat, j'ai mon stockage qui merde. Ça va le faire. Ouais, voilà, ok, d'accord. Donc j'ai... Va falloir que je purge un petit peu. Est-ce que j'ai beaucoup? Ouais, j'en ai quelques-uns. Hop, on va faire plus simple. Normalement, si je fais juste ça. Normalement, j'ai que des... Ouais, pratiquement que des formes conformes. Hop. Allez, normalement là c'est la bonne. Hein. Et m'a douté, donc c'est encore bloqué. Normalement c'est bon, j'ai plus de forme en erreur. Alors. Voilà.
On va y arriver. Bon, en soi, là, je vais envoyer comme ça. Mais en gros, voilà, j'ai envoyé mes 25 coins. Il faut qu'ils seront produits. Et puis, voilà. Donc, ben, c'est tout simple, hein. Là, par contre, j'avais fait une erreur. J'ai juste inversé les deux pièces. Excusez-moi, je regarde juste un truc, mais... Oui, c'est bon, ça tourne. Voilà, en fait, simplement, j'ai repris mes formes blanches que j'avais d'avant. J'y ajoute cette forme-là, donc le... Pour y mettre, en fait, la partie à l'intérieur. Puis, je fais passer cette forme-là par-dessus cette forme-là, qui est la même forme, mais juste inversée. Et puis, voilà, quoi. Et donc je tiens cette forme-là qui correspond à ce que me demande le jeu. Et donc ça, c'est pour débloquer le traitement virtuel. Ouais. Donc ça, en fait, ça permet de créer des découpeurs et tout. En fait, ça sert en fait à faire des plans, entre guillemets, à designer nos machines avant de les faire réellement. Mais en vrai, ça n'a pas forcément d'intérêt, quoi. On peut, si on veut, en fait, créer des circuits comme on veut. Mais en vrai, on s'en tape, quoi. Après, il y a les transistors et tout, donc en vrai, on pourrait refaire des vrais circuits électroniques et tout pour gérer 2-3 trucs, mais. Mais en vrai, hein, c'est très très secondaire dans le jeu, c'est vraiment pas nécessaire. Voilà, bah écoutez, je remets en pause et on se retrouve quand toutes mes formes seront créées et en cours d'envoi. De toute façon, je réutilise le même canal que précédemment pour envoyer ces formes-là une fois qu'elles seront produites. Et puis voilà quoi. Après, on verra la prochaine forme qui nous est demandée. Mais on est niveau combien là? Ah, bah c'est le dernier niveau en fait. Parce qu'après, le prochain niveau va nous demander de faire cette forme-là. Et donc, il va falloir qu'on. Que je me renseigne sur comment la faire en fait. Parce que là j'ai vraiment bloqué. Là, je suis vraiment bloqué. Les autres, j'ai trouvé plus ou moins par moi-même, hein, comment les faire. Hein, c'est relativement simple. Mais celle-là, mais celle-là, là, là. Celle-ci, j'avoue, c'est compliqué. Ça paraît simple, hein. Le fait d'avoir les couches, ça paraît simple. Ça l'est pas du tout. Parce que ce truc-là, en fait, il est complètement en l'air, en fait. Et il n'y a rien pour le maintenir, en vrai. Et c'est basé sur le même principe que cette pièce-là, en fait. Bref, voilà. Allez, on se retrouve, tout à l'heure. Et j'ai un manque de production quelque part. Attendez, ça manque de prod quelque part, pourquoi? Ah, c'est chelou, c'est là que ça produit moins. Alors que normalement c'est. Ah oui, c'est normal, ouais, j'ai pas la. Attendez, on va garder peut-être la priorisation ici. Ouais, regardez la priorisation ici. Comme ça, entre guillemets, la première partie ici, elle est prioritaire. Et en vrai, ce buffer-là, il va plus m'emmerder qu'autre chose. Ce buffer-là va plus m'emmerder qu'autre chose. J'optimise un petit peu.
Bon bah voilà, bah écoutez, comme je vous ai dit, on va laisser faire, et puis on se retrouve tout à l'heure. Bien, donc je viens de lancer voilà, l'envoi des 25K. Et comment? J'ai juste modifié un petit truc. Finalement, j'ai doublé comment, mon atelier de découpe. Je l'ai doublé et puis donc je produis sur un atelier de découpe cette version-là, donc avec simplement la partie inversée, et puis celle-là. Comme ça, voilà. C'est exactement la même machine, c'est juste que j'ai mis deux inverseurs à la fin pour la partie qui arrive donc à gauche de la machine, tout simplement. Bon, ici, ça consomme, résultat, un petit peu plus. Idéalement, il aurait fallu faire deux ateliers de peinture et voilà, prendre une deuxième source de carré. Mais c'est pas grave, ça marche très très bien comme ça. Et puis de toute façon, voilà, ici. Voilà, je découpe plus que je consomme de carrés, donc voilà. Donc c'est en cours, hein, c'est en cours d'envoi, voilà, c'est en train d'arriver. Ça va arriver très vite, hein, vu que les 25K sont là et vont être envoyés, voilà, quoi. Et donc résultat avec ça, ouais, donc la prod elle était correcte, parce que sinon j'avais un ralentissement de la prod. Et puis voilà, quoi, c'est en cours d'envoi. Donc on se retrouve dès que ça s'est pratiquement vidé. Bien, donc on arrive à la fin de cette partie, voilà. Et donc voilà, la prochaine partie à créer, c'est celle-là. Et pour le moment, bah, on est bloqué. Donc, bah écoutez, bah sur cette session de tournage va s'arrêter ici. Et j'espère en tout cas que ce jeu vous aura donné l'envie de jouer, d'essayer, et essayer de créer cette forme avant la sortie du prochain morceau que je vais tourner. À mon avis, là, on est à la fin d'un épisode. Et bah sur ce, je vous dis à bientôt, et peut-être que je vais trouver le moyen de faire cette forme et que la série va continuer. À plus tard.